travers le Canada, Philippines, l'Uruguay, l'Inde, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Ghana. Mais actuellement, c'est l'Inde qui est notre gros consommateur en produits. Bon, il y a les autres pays qui achètent. Sinon, la capacité de notre usine, nous avons 5 chaînes de traitement qui nous permet de faire 3 500 000 tonnes par an. Et qu'est-ce que ça crée comme problème de santé? Très, très, très. Il y a problème de dents, vous allez voir les dents des enfants qui sont bouchées et bon, ça déchire le cerveau, les yeux, et après vous allez avoir des problèmes de structure et tout ça là. Ça a chassé les poissons loin, loin, loin. Et c'est ça qui est le plus dur. Les temps, les yeux là, ils n'arrivent pas à voir. Ça a un gros danger dans l'environnement ici. Du village, c'est la pêche. Vous les voyez, ils sont de retour, mais ils n'ont pas trouvé de poisson. C'est ça, on expliquait que c'est le phosphate qui a causé que il a chassé les poissons au large. Donc, ils sont partis, venus produire. La pêche est languissante. Vous les voyez. Donc, c'est ça qui cause le problème ici. Ça va répercuter sur le village, tout le village. Parce que s'ils ont trouvé, ils peuvent trouver de l'argent, ils vont vendre, ils vont trouver de l'argent, ils vont chercher quelque chose à manger, ils vont aller payer. Mais s'ils n'ont pas trouvé, avec quoi ils vont aller acheter? Le village va manger quoi? Donc tout ça là, ça agit sur le village. Et c'est ça, le phosphate est la base de tout ça là. Vous avez déjà fait des doléances pour aller voir la société par rapport à... Maître, nos grands avaient parlé, on a parlé, mais ils ne regardent même pas. On a parlé fatigué, mais ils ne nous écoutent pas. Ils ne savent même pas qu'il y a un village qui vit ici.
Mais nous versons de l'eau dans la mer. Il y a un projet actuellement, peut-être jusqu'à la fin d'année, ils vont planter les cuves de décantation, les bacs de décantation pour le couper. Et puis, il y avait l'université de Bénin, les techniciens, les chimistes sont venus, ils ont pris les échantillons. Ils ont vu que les films de phosphate qui restent dans ce que nous versons, c'est très riche. Donc, ça fait que ils nous ont demandé de construire des grosses cuves. Et là, nous n'allons pas plus verser l'eau. On va faire une décantation, on doit récupérer le phosphate et verser un peu de l'eau. Mais bon, pour le moment, quand tu veux manger omelette, tu dois casser les œufs. Pour le moment, on casse les œufs, mais on doit arranger ça. Je pense que ce serait une très bonne idée. Ça s'empire. Et nous pensons à ça, à nos petits frères qui viennent d'arriver maintenant. Ils feront quoi? C'était mieux. Et aujourd'hui, c'est pire. Demain, ce serait comment? Tout ça, là, on pense à ça. Et c'est ça la seule activité. La seule activité dans le monde. Si on n'y va pas, on ne pouvait pas trouver de poisson pour préparer la sauce. On ne pouvait pas trouver de l'argent pour aller acheter et autre chose. Et le village est en deuil, sans pêche. S'il n'y a pas pêche, le village est en deuil. Deuxième mondial de phosphate, mais allant toujours à quatre pattes. Pourtant nous vivons dans les airs, depuis des décennies dans le désert. Nos fonctionnaires sans salaire, crient à tue-tête leur misère. Des mois de salaire impayés, la galère persiste dans la cité. Oh, Boribana, 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 tiens, Boribana, Boribana, Boribana. Desmo, l'incontournable, Guy Mario, la génération consciente.